Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie. Oh là. Oh, je suis désolé. Et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour l'épisode 16 de l'épopée d'un enchanteur. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé, je suis complètement malade. Alors, vous reconnaissez cet endroit? C'est la très grosse bibliothèque du premier Stronghold, donc on est dans le premier Stronghold. Pourquoi on est là? Bah, c'est parce que je me suis renseigné sur les Strongholds sur le Minecraft Wiki. Oula, j'ai des petits freezes. Bon, j'ai vidé un peu mon disque dur, donc normalement j'ai largement le temps d'enregistrer. Donc je me suis renseigné sur les Strongholds. Et mis à part la grande bibliothèque, il y a également une grande salle qui s'appelle l'entrepôt, que je n'ai pas trouvé dans ce Stronghold. J'irai chercher dans le deuxième Stronghold un peu plus tard. Mais en revenant ici, je me suis aperçu de deux choses. Premièrement, c'est que dans ce coffre-là, j'avais oublié tout ça. Donc, et ben, tout ça, ben, on va l'embarquer. Donc, voilà. Donc, ça nous fait encore des livres enchantés. Et surtout, j'ai pas vu que. Alors. J'ai fait les ponts hein, hors caméra. Hop, 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 hop. Donc vous vous souvenez, ici en fait il y avait cette porte flottante là au sol. Pareil, j'ai fait un petit pont ici pour pouvoir rejoindre. Et en fait j'avais pas du tout exploré cette partie-là. Et donc je l'ai exploré hors caméra. Donc j'ai mis des torches un peu partout. Et je suis tombé sur ce coffre. Qui contient peu de choses, mais voilà, qui contient du pain et du fer. Voilà, donc ce Stronghold en fait, bah, j'ai cherché, donc, et puis il ne contient absolument aucun entrepôt, parce que c'est en fait la pièce que je cherche. Ce sont les entrepôts. Non, il n'y a rien là-haut. Donc j'ai refait tout le Stronghold de A à Z. J'ai mis des Soul Sand, voilà, ici, là, pour indiquer que c'était des cul-de-sac, pour éviter de me perdre. Donc à chaque fois, j'ai sectionné en gros le Stronghold. Comme ça, donc à chaque fois qu'un escalier amenait vers rien, je mettais un. J'ai mis une Soul Sand, voilà. Voilà. Bon, donc on va retourner rapidement à. À la maison. Oups. Donc, pour deux choses. Tiens, ça c'est pas trié ça. Bon, j'ai oublié de trier ça, je le sais. Mais ces coffres-là sont tous triés. Donc ici, ce sera ce que j'ai à faire. C'est soit des moyens mnémotechniques, soit des items à crafter. Donc l'étoile du Nether, c'est pour le. Bah pour créer le beacon, tout simplement. C'est parce qu'il faut que je crée le beacon, faut que j'y pense. Et la boussole, c'est pour me faire penser qu'il faut que je trouve le troisième Stronghold. Ensuite, donc ici c'est tout ce qui est outils, armes et puis éventuellement les armures. Ici tout ce qui est loot de mob, j'ai inclus la laine dans les loot de mob ainsi que les dérivés, hein, donc les carpettes, les trucs comme ça. Tiens d'ailleurs, hop. Voilà. Au-dessus c'est tout ce qui est bois et dérivés ainsi que tout ce qui est végétaux. Ensuite, on a ici, c'est tout ce qui est sable. J'ai mis la glace avec, parce que voilà, puis donc dérivé du sable, donc à savoir les vitres. J'ai mis également la Soul Sand, parce que bon, bah, c'est sable des âmes, donc c'est du sable. Qu'est-ce qu'on a là? On a tout ce qui est redstone ici. Ici, on a tout ce qui est pierre et dérivé, donc hop, voilà. J'ai de l'obsidienne sur moi, je sais pas où le caser, bon ça fait rien. Et au niveau du trieur, il y a quelque chose qui a changé. Hop, je vais te le faire. Comment le. Finalement, les fourneaux en bas, ça ne marchait pas. Ça posait problème. Pourquoi ça posait problème? Tout simplement parce que, en fait, comment? Quand un morceau. Quand il y avait plusieurs morceaux de fer, par exemple, qui arrivaient. Le premier morceau de fer, bon bah il tombait dans le. Comment? Il activait le. La pièce. Comment? Le comparateur ici, donc il coupait la stone en bas, donc ça coulait d'un. Mais ça marchait bien s'il y en avait un par un et assez longtemps, pour de façon à ce que le morceau qui tombait fondait,
Puis ensuite, tu étais mis en attente pour que le suivant arrive et tombe à son tour. Le problème, c'est que dès qu'il y en avait deux qui arrivaient, qu'est-ce qui se passait? Bah, le premier tombait, mais le deuxième restait dans l'entonnoir. Donc, gardait activé ceci. Et donc, ceci était désactivé beaucoup plus longtemps. Et donc, tout se vidait pratiquement. Et évidemment, ben, les morceaux de trieur que j'ai mis, ben, tombaient dans l'entonnoir d'en dessous, et puis ça faisait un gros bordel, donc à chaque fois on devait réinitialiser à chaque fois qu'on mettait plus d'un morceau de fer. Donc c'était pas terrible. Donc voilà, donc j'ai fait plutôt une mini fonderie en haut. Ah oui, puis comment? Puis les murs, j'ai tout mis en pierre taillée. Bon, je l'avoue, j'ai pas fait ça à la main, j'ai fait ça avec World Edit. C'était histoire, c'était un peu d'esthétique, rien de plus. Ici, donc ici là, c'est la file d'attente pour les items à faire cuire. Bon, ça c'est le four, hein, rien de compliqué. Et ici, bah, c'est la réserve de charbon. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, j'ai tout indiqué. Voilà, liste de minerais à fondre en haut, charbon. Et donc, l'entonnoir ici descend tout dans le coffre. Et le coffre, en fait, envoie tout au trieur. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche très très bien comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à montrer? Oui! Donc, Delta a fait un chemin de fer souterrain. Bof, c'est. Ouais, c'est. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais. Voilà ce que j'en pense. Et la salle des potions, alors pour le moment, il a fait un truc extrêmement minimaliste, je vais pas vous le montrer, faut que je lui en parle. À mon avis, c'est que du temporaire, le temps en fait qui creuse tout le contenu et qui fasse une machine un peu plus élaborée. La Netherwart a pas entièrement repoussé, donc on va attendre encore un peu. Oh, puis YOLO. Hop. Voilà. Bon, bah, je vais aller dans le second Stronghold. Ça, je sais que je devrais aller le mettre dans la salle des potions. Donc, pour le moment, je vais le mettre dans le coffre à merdier qu'il y a là. Ça, je le trierai plus tard. Oh, vite, hop. Ça, c'est du bois. Loot de mob. Dérivé du bois encore de la pierre. Alors, dans tout ce qui est pierre, j'ai également mis la terre parce que voilà quoi. Terre, là, ça. Voilà, au moins là, je me retrouve nettement mieux. Qu'est-ce que j'avais dit? Il y a du bois et loot de mob. Donc, le bois, c'est ici. Et loot de mob en bas. J'ai un peu de bouffe. Ah oui, le coffre de bouffe, je crois que je vous l'ai pas montré. Donc ici, c'est tout ce qui est bouffe et tout ce qui vient des donjons. Donc voilà. Et puis, je vais aller déposer les livres que j'en trouve. J'avais continué également de farmer de l'enchantement. Donc tout ça, ce sont mes bouteilles d'enchantement. En fait, je me suis rendu compte que c'était nettement moins, comment dire, rentable de stocker l'expérience et ensuite de le réutiliser. Donc c'est vraiment pratique, voilà, pour stocker, mais le rendement est moins bon que si on faisait des allers-retours under farm table d'enchantement quoi. Voilà, faut pareil, faut que je pense davantage sur le wiki. J'ai oublié de replanter la Netherwart. Tiens, j'avais encore de la pierre sur moi. Oh. Bon, enfin voilà. Donc, je fais tout ça de toute façon hors caméra. On se retrouvera sur le second Stronghold si jamais je trouve une. Comment? Ben. Comment? Un entrepôt. SG2 underscore MDJ. Voilà, donc si je trouve un second entrepôt, et ben je reprends le tournage. Pareil, si je croise des coffres qui sont plus intéressants que ce que j'ai actuellement, ben, enfin, ouais, des coffres quoi. Je vous tiens au courant.
Voilà, bon écoutez, je coupe ici. Je viens de descendre juste l'escalier, je vous ai arrêté il y a une seconde et voilà, et regardez sur quoi je suis tombé. Alors oui, je voulais revenir sur la bibliothèque, donc apparemment, comment, il n'y a que deux types de bibliothèques, ce sont les grandes et les petites. Les grandes sont sur deux étages et les petites sur un étage comme celle-là, donc celle-là est une petite. Sauf que le premier Stronghold était sur quatre étages, donc en gros apparemment c'était deux grandes bibliothèques l'une sur l'autre. Donc voilà. Bon bah écoutez, ben moi je vais m'exploser ça rapidement et puis puis ça nous fera des livres encore en plus. Donc voilà. Donc je vous fais pas d'accélérer là-dessus. Je vous reprends bah, encore lors de l'exploration de ce deuxième Stronghold donc. Et puis hors caméra, après, bah, j'irai certaines. Donc, je m'arrêterai à chaque coffre, et puis si. Et puis après, bah, j'irai chercher le troisième Stronghold. F-Savard ne m'a pas transmis de coordonnées, parce qu'il pensait avoir récupéré le troisième, mais. Pas de nouvelles, donc on va. Je vais le chercher avec des yeux d'Underail. Il m'en reste 21, si je dis pas de bêtises, dans mes coffres. Donc voilà. Donc, et ben. À tout à l'heure. J'avais vachement envie d'une bibliothèque quand une fois nettoyée. Bon bah j'en aurais encore récupéré pas mal de livres, un peu de papier. Il y avait qu'un seul coffre dans le truc. J'ai détruit aussi les toiles araignées. Voilà donc bah, on a encore récupéré ben presque 8 stacks de livres. Donc bon bah ce sera parti, ce sera pour le. Donc attendez, je marque ici que hop, de toute façon, c'est un cul-de-sac. Voilà, bon, ben prochain coffre ou entrepôt. J'espère tomber sur l'entrepôt. Ok, ça c'était la bibliothèque. Bon bah à tout de suite. Bon, je viens de tomber sur ces deux coffres-là, puis bon, donc je les ai pas ouverts, donc je vais les découvrir avec vous. Et j'ai voulu aller un peu plus loin pour découvrir. Et ici, donc je suis tombé sur des geôles qui étaient bourrés de zombies, de squelettes, de bébés zombies. Les bébés zombies me font vachement flipper. C'est, ils vont super vite, ils font assez mal. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Du pain et une pioche en fer. Et ici, on a du pain et de l'or. Bon, ok. Je vais juste les tailler comme ça on sait qu'ils ont été visités. Donc toujours rien, ici il y a des geôles, donc c'était blindé de monstres à l'instant. Donc ici il y avait 4 archers, un zombie, et puis ben, là ici il y avait deux bébés zombies qui se baladaient, et ici il y avait juste un petit zombie, et puis j'ai pas été plus loin que ça. Voilà, je vais monter ces escaliers et puis je vous reprends pour la suite des événements. J'ai pas filmé les combats, mais bon, c'est le coup de la panique parce qu'avec les bébés zombies, j'ai été débordé très rapidement. Voilà. Ouais, super intéressant le haut de l'escalier. C'est un cul-de-sac. Bon, et puis apparemment, il n'y a pas d'autre chemin. Ah si, non. Bon, bah, s'il y a une. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Pas de bouton, d'accord. Non, déjà visité. Bon, oui, pourquoi je fais pas d'accélérer? C'est parce que je suis en train de rechercher d'autres musiques de Newgrounds, parce que j'en ai marre de toujours jongler avec les mêmes musiques. Donc c'est pour ça que je ne fais pas ça en accéléré. J'aurais envie de chercher d'autres musiques. Par là, j'y ai pas été. D'accord, ok, pas de problème. Par là, c'est un cul-de-sac que j'avais déjà été. Bon, en gros, par là, énorme cul-de-sac. Ici, c'est le Stronghold, il n'y a rien derrière là-bas. Je vais quand même éclairer. Ah, le Stronghold, c'est le portail vers l'End. Donc par là il n'y a rien, par là c'est la grande bibliothèque, mais je vais peut-être retourner jeter un œil s'il y a une intersection quelque part. Non, par là de toute façon j'ai déjà visité. Ouais, puis par là donc c'est là où j'ai été. Bon, ben non.
J'aurais pas trouvé d'entrepôt. Donc pourquoi je cherche un entrepôt? C'est parce qu'il y a il y a un faible pourcentage pour que ça, pour que dans les entrepôts, il y ait des comment? Il y ait des livres il y ait des livres enchantés. Et c'est ce qui m'intéresserait. Donc ici c'est le spawner à araignée. Je vais pas convertir mes niveaux. J'ai ce qu'il faut. Bon, bah non, bah ça a pas l'air. Dans le doute, est-ce qu'il y aurait quelque chose derrière? Ça m'étonnerait beaucoup, mais. Donc oui, j'ai pris une pioche fortune qui restait dans notre. Enfin, dans mes coffres. En faisant le tour des coffres, j'ai vu qu'il me restait une pioche fortune. Donc j'ai ça actuellement dans les mains. Cadeau d'Ève Savard. Allez, qu'est-ce que vous faites là, vous? J'ai dû pas assez éclairer ce truc. Je vais. Ah, bien sûr, j'ai converti mes niveaux. T'es où? Il va me pousser derrière la. Putain, et en plus, il faut un petit knockback là qui est assez agaçant. Mais c'est pas vrai! Me faire harceler par les silverfish. Bon, je me demande si je vais pas le casser, résultat, le. Bon, bah, je récupère mes. Je suis full. Qu'est-ce que je peux jeter? Bah, les portes en fer, j'ai rien à carrer, à vrai dire. Y a autre chose à faire. J'avais des torches. Voilà. Bon, non. Pas de. Juste une bibliothèque de plus. Dans ce second Stronghold, mais c'est tout. Je vais trier mon inventaire, trier les deux coffres qui me restent, et puis je vais partir à la recherche du troisième Stronghold. Je vous reprends si je le trouve. Et puis bah à tout à l'heure. Allez, allez! Bon, à tout à l'heure. Oui, je vous reprends juste parce que je suis en train de trier mes comment? Mes coffres. Mon épée en diamant, je l'ai réparée avec un diamant. Je m'étais créé une autre épée en diamant pour essayer de la réparer, mais ça m'indiquait trop cher sur l'enclume. Voilà. Donc juste ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, la pelle à la lune, je m'en sers même pas, donc je vais la laisser. Voilà, c'était juste une petite précision sur mon épée. Voilà. Je termine de trier tout ça et puis ben. Oula, il y a encore tout ça à trier. Bon, allez, à tout à l'heure. Tiens, oui, hop, ça par contre, ça va descendre en bas. Ça, c'est la pierre, 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 pierre. Redstone, redstone, redstone. Ça, c'est pour les potions. Ça, c'est outils. Ça, c'est redstone. Loot de mob, bois. Ah, loot, loot. Et puis, bah, j'ai rien pour les lumines. Bah, voilà, donc, bah, limite, j'en ai pas pour longtemps. Je reste avec vous. Et puis, de quoi je peux encore bien vous parler sur ce qu'il se passe actuellement sur le serveur. Se passe pas énormément de choses. Si, un nouveau nous a rejoint hier. Par ça, rien de spécial. Fer, redstone, redstone, tout ça va partir en bas. Le trieur, faut que j'aille voir, mais normalement tout se passe bien. Ok, redstone, redstone, c'est là. Tac. Et pour finir, tout ce qui est pierre. Alors, hop, hop. Ok, bah ça pour le moment, bah je vais laisser ça là. Et il reste de la redstone et des pancartes ici. Alors, redstone et pancartes, c'est du bois. Voilà. Bon, et ben,
Les yeux d'Enderman. Alors, le premier Stronghold était par là, le second est plus par là. Donc moi je pense que je vais partir par là. Ouais. Bah écoutez, je vous retrouve quand j'aurai trouvé le troisième Stronghold en espérant qu'il soit par là. De toute façon, si je vois qu'il part vers la gauche ou derrière moi, c'est que c'est certainement le Stronghold, les deux autres Strongholds qui... Comment, qui attire. Alors, je suis même pas sûr qu'il y ait de troisième Stronghold, parce que dans le Minecraft Wiki, ils indiquent qu'il y a une limite de 3 Strongholds. Mais pour moi, quand on me dit qu'il y a une limite de 3 Strongholds, ça veut dire qu'il peut y en avoir moins. Donc, j'espère en avoir un troisième. Et puis bon, bah, on va bien voir. À tout à l'heure. Je suis comment en train de. Donc, j'ai passé la jungle. Qu'on voit déjà plus. Et je suis en train de traverser un océan, mais méga grand. Voilà. Donc, c'est chiant. C'est très très chiant. Donc j'ai dû à l'extrémité de la jungle couper un peu de bois et puis me faire deux bateaux. Apparemment le stronghold de là-bas continue. Ah oh, zut, puis j'ai pas regardé la limite. Ouais bah de toute façon si je dépasse les 1100, c'est que de toute façon le y a pas de stronghold par là-bas. Et je me suis renseigné sur Minecraft Wiki, donc si ça dépasse les 1100, c'est que de toute façon, c'est mort, il n'y a pas de stronghold par là-bas. Donc, alors normalement, c'est le point de spawn, mais donc j'allais quand même jusqu'à 1500 pour être sûr. Non. Mais voilà, donc l'océan de Milan. Donc pour revenir, je taperai un slash home. Hein. Je vais pas m'embêter non plus à faire un aller-retour comme ça. Voilà le méga océan. Bon ben, à plus tard. Je pense avoir trouvé. Donc c'est assez simple en fait avec le notepad. J'ai pris les coordonnées des deux autres. Donc attendez, je vous dis. Je vous le dis précisément. Loulou s'est connecté. Donc le premier Stronghold étant. Alors je vais juste vous dire les coordonnées de X et Z. Là, parce que Y. Bah, je vous les dirai aussi, remarque. Bah, je vous dis X, Y et Z, tout simplement. Donc le premier Stronghold a été trouvé en 757, 43, 97. Donc tout dans le positif. Le deuxième Stronghold a été trouvé en moins 688. Niveau 32 et moins 517, donc pratiquement tout dans le moins, quoi. Il n'y a que le Y évidemment qui est toujours dans le positif. Et donc je me suis dit, hein, alors le troisième Stronghold doit se trouver soit dans le cadran où le X est positif et le Z est négatif, ou alors l'inverse, où X est négatif et Z est positif. Et j'ai simplement mélangé les deux coordonnées. Et en gros, bah, ça ressemble en fait au. Donc en fait, j'ai fait. Comment? Donc en résultat, j'ai été aux coordonnées 757 moins 517. Et quand j'ai balancé un œil d'Enderman, il m'a envoyé vers le sud, donc. Et donc, quand. Et puis, donc là, je viens de retomber. Donc, en gros, ça ressemble plus aux coordonnées de S. Donc, du premier Stronghold. Avec le Z en négatif. Vous voyez, c'est très très proche parce que le X du premier Stronghold est en 757. Et là, on est en 756. Et le premier Stronghold était en 97. Et là, on est en moins 98. Et l'œil d'Enderman se jette à mes pieds là, actuellement. Je peux vous montrer éventuellement.
J'étais mort crafté, hein. Voilà, vous voyez, j'ai juste à mes pieds, donc il est forcément ici, quoi. J'espère pas tomber dans la lave. Donc c'était un homme. Je vais me chercher un seau d'eau et puis revenir. Pour être sûr de pas tomber dans la lave. Et puis on va descendre ensemble. On va descendre ensemble. Je vais le laisser près de... Ouais, ça c'est un peu particulier. Je vais pas le laisser dans mon monde. Je peux décrafter deux bateaux pour traverser la mer, mais ça peut être nécessaire. Résultat, les yeux d'Enderman, je pourrais les laisser là à la limite. On va les garder, mais je vais reprendre de la Soul Sand pour parce que j'aime bien utiliser la Soul Sand pour marquer, même s'il me reste plus des masses. J'irai dans le Netherrange chercher. Et puis, on est parti. Donc, j'ai laissé ma pelle là-bas. Bon, ça fait un... Donc, on va descendre ensemble. On va bien voir sur quoi on tombe. Attendez, il faudrait vraiment que je me mette sur l'arête. Génial, je tombe pas dans la lave. J'ai mal noté les coordonnées de mon Stronghold. C'est le même Stronghold que le premier. Je suis con, putain. J'ai simplement fait une erreur dans mon notepad, j'ai marqué 90. Je me disais, ça ressemble trop. Les coordonnées se ressemblent trop. Et oui, j'ai oublié de noter le moins. Ah, je suis deg. La séquence qui sert à rien. Oh, le troisième Stronghold, je le trouverai jamais. Putain, j'avais l'espoir et tout. En plus, non mais sérieusement. Ah, je suis trop vert. Attendez, je vous la refais. En plus, ça me semblait bizarre parce que biome plaine et biome neige, ça ressemblait au premier Stronghold. Je me le disais, putain, ça ressemble vachement à l'entre deux biomes que j'avais pour le premier Stronghold. Et puis, ça, c'est le premier Stronghold. Oh, je suis vert, la séquence qui sert à rien. Je vous la laisse quand même. Je vous la laisse quand même pour être... voilà. Bon, je vais repartir sur ma théorie quand même. Donc, je vais essayer d'aller me déplacer aux coordonnées... moins 88... Ah, tout est dans le moins. Attendez. J'allais dans les Z positifs. Et puis X, on va bien voir. Le plus loin, ça reste le 1. Donc je vais aller en comment en 757 et 517, on va bien voir. Bon, bah ça va me faire une belle trotte. Donc, je vous retrouve là-bas. J'en ai marre. Je suis tombé sur mon second Stronghold. J'arrive pas à trouver le troisième, ça m'énerve. Là, je sais pas trop quoi faire. J'ai essayé de croiser toutes les coordonnées possibles en négatif, en positif. À la fin, je me suis même mis en créatif pour me balader parce que j'en avais ras-le-bol, quoi. Non, impossible à trouver le troisième Stronghold. Donc, je réfléchis. Donc, je vais demander à Eve Savard s'il peut retrouver les coordonnées du Stronghold que lui avait trouvé, comparé avec les miens, voir si c'était pas par hasard le premier ou le second Stronghold que j'ai trouvé qu'il aurait trouvé. Mais voilà. Bon, bah, je vous reprends plus tard. Finalement, je vous reprendrai pas plus tard parce que je vois qu'on est à 30 minutes de vidéo, donc ça aurait pas été très très intéressant.
Beaucoup de coupures, beaucoup de... Comment? Beaucoup de recherches inutiles, en gros. Bon, on aura récupéré quelques ressources. Je vous aurais montré le tri des coffres, l'avancée de tout ça. Mais sinon... Ah, sinon, ben... Non, quoi. Donc, au prochain épisode, je vais quand même essayer toujours de chercher hors caméra le Stronghold. Mais ça sent plutôt mauvais. Donc, là, je commence à penser qu'il n'y a pas de troisième Stronghold dans mon monde. Bon, dans ce cas, c'est pas grave. Et puis, bon, bah, dans les deux Strongholds qu'on a, il n'y a pas d'entrepôt. Donc, c'est un manque cruel de chance. Bon, voilà. Bon, à plus tard. On se retrouvera à l'épisode 17. Oh, puis. MDJ, mais qu'est-ce que tu fais? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Suivez l'actualité du serveur sur le site mindserve-mdj.fr.nf ainsi que sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Et je vous dis à bientôt.